Ça va pas? Pourquoi t'as fait ça? Il était sur mon chemin. Tu en profites parce qu'il est moins fort que toi? Espèce de lâche! Tu me traites de lâche? Hein? On réglera ça plus tard, Fauna. Alors, c'est qui le lâche maintenant? Pas moi, en tout cas. Très bien, Fauna. Retrouve-moi tout en haut de la falaise, quand le soleil sera au zénith. Et on verra qui est le plus courageux. D'accord? Avec plaisir. Profite de tes dernières heures sur Terre, petit homme. Et ne te défile pas! Mowgli! Va vite rejoindre ta nounou, petit homme. On se voit plus tard. Balou, on pourrait finir le cours plus tôt pour une fois. Pourquoi? Oh, ben, tu sais bien. Non, désolé, je l'ignore. Oh? À tes souhaits. Mais c'est pas moi. Hein? Oh? Balou est mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Je jouais avec des copains et puis je les ai perdus. Alors j'ai essayé de rentrer chez moi, mais j'ai oublié le chemin et je ne sais pas comment revenir. Et... D'accord, je vois, mon petit bonhomme. Quelqu'un doit t'aider à rentrer chez toi. Il ne voudra pas venir avec toi. Tu lui fais trop peur. Alors c'est toi qui vas t'en charger, mais tu n'entres pas sur le territoire des singes, compris? Je ne voudrais pas que tu aies d'ennuis avec ces satanés macaques. Oui, d'accord, Balou. Mais il faut que je me dépêche. Te dépêcher? Mais pourquoi? Alors, comment tu t'appelles? Mani. Oh, t'as faim, Mowgli? Parce que moi, j'ai super faim. Oh, Mani, hé, où es-tu? Tu mangeras quand on arrivera aux grottes froides. Hé, t'en veux une? C'est à lui qu'il faut dire ça. Va-t'en. Va-t'en. Va jouer ailleurs avec cette horrible petite bête. Compris? C'était trop drôle. Oh. Je n'aurais pas dû le laisser partir seul. Si les singes l'attrapaient, je... Quelle magnifique journée. Sûrement pas pour tout le monde. Tu aurais pu le faire très très mal, tu sais. Mais non, faut pas avoir peur. Je grimpe super bien, tu sais. Ouais, allez, viens, on est bientôt arrivés. Oh, non, ça suffit. Mani, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Moi, je vais me cacher, d'accord? Non, descends tout de suite. Au secours, je suis prisonnier. Dépêche-toi, ça fait mal, dépêche-toi, Mowgli. Écoute, je suis pressée, j'ai vraiment pas envie de jouer. Mais c'était juste pour rire, on s'amuse bien, non? Oh non, ça va pas recommencer. Tu veux une jolie mangue? Détends-toi, Balou.
Mowgli se débrouille très bien tout seul. Peut-être, mais il s'agit des grottes froides et du peuple singe. Oh, je n'aurais jamais dû le laisser y aller seul. Merveilleuse friandise. Voilà qui fera une succulente entrée. On arrive. Dis, je peux rester avec toi? On s'amuse bien. Non, je dois te ramener chez toi. Et ensuite, tu dois m'attraper d'abord. Mani! Oh, le déjeuner est enfin servi. Un ami à toi, je suppose. Je ne savais pas que tu fréquentais ces imbéciles de singes. Mais non. Enfin, je t'en prie, Ka, pas celui-là. Je suis sûre que tu peux trouver une plus grosse proie à manger. Non, petit homme, j'ai trop faim. Désolée, Ka. Oh non, mon déjeuner s'échappe. Le soleil est presque au zénith. Au revoir. Enter perd plus jamais tout seul dans la jungle. Mais pourquoi tu t'en vas, hein? J'ai un rendez-vous important. Mais moi aussi je suis important. Bien sûr que oui, Mani. C'est juste que je suis désolée. Il faut que j'y aille. Le petit homme est en retard. J'avais bien raison. C'est un lâche. Le voilà. Il arrive. Alors, petit homme, je ne pensais plus te voir. On va enfin pouvoir s'expliquer, toi et moi. Tu es prêt à te battre? Attends, Fauna. Je t'ai proposé de régler notre problème, mais je n'ai jamais dit que nous allions nous battre, n'est-ce pas? Eh bien, non, mais... J'ai dit que nous verrions lequel de nous deux sera le plus courageux. Et moi, je crois que tu es un gros trouillard et un lâche. Je parie que tu peux pas faire ça. Mowgli est plus courageux que toi, Fauna. Et tu n'as pas fait de mauvaises rencontres en chemin? Non, aucune, Balou. Mani a été très gentil. J'ai fait comme tu m'as dit et je suis rentrée. Tant mieux, parce que si quelque chose t'était arrivé, je ne me le serais jamais pardonné. Ah d'ailleurs, à l'avenir, quand Mowgli, tu... J'ai pas fait exprès, mais je crois que je me suis encore perdue. Hé, hey, t'es un malin, toi. Oh, qui singe va? Oh non, prêt!
falaise. Ça ne sert à rien de lui courir après, Mowgli. Tu ne seras jamais aussi rapide que Darzi. Oh. Pas question d'abandonner, jamais. J'y arriverai. Un jour, je vais réussir à t'attraper, tu verras. Oh non, tu n'y arriveras pas. Mowgli, pour l'attraper, tu vas avoir besoin d'une stratégie. Oh. Et qu'est-ce que tu fabriques ici, Tabaki? Et pourquoi tu ricanes comme ça? Je me promenais dans le coin, c'est tout. Mais j'avoue que je me suis bien amusée à te regarder. Même pas capable d'attraper un tout petit oiseau. Darzi est beaucoup trop rapide. Pour toi, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu es probablement la créature la plus lente de toute la jungle. Moi, tu me trouves lent? Oh que oui! Même Darzi est plus rapide que toi, petite dame. La preuve, elle t'a échappé. Oh. Oh. Il ne faut pas l'écouter, Mowgli. Il cherche seulement à t'énerver. Je ne voulais pas te faire de peine, tu sais. Mais je te parie que si on s'affrontait, toi et moi, je remporterais facilement la victoire. Alors d'accord, on n'a qu'à faire une compétition. Tu veux vraiment faire une compétition avec moi? Disons, une épreuve de course et une épreuve de saut. Mowgli, fais attention, c'est sûrement un piège. C'est d'accord. Alors qu'est-ce que tu veux si tu gagnes? J'aimerais un gros os à moelle bien juteux. Très bien. Allez, c'est parti. Je vais te montrer qui est le meilleur. Balou, tu veux bien donner le départ? Non, je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Darzi, fais-le si ça te chante. Oh oui. Le premier à la boucle de la rivière remporte l'épreuve. Tu es prêt? Prêt. À vos marques. Prêt? Partez. Surprise! Tu ne croyais quand même pas que tu allais gagner aussi facilement. Et tu sais quoi, Mowgli? Ça, c'était juste un échauffement. Et maintenant, la vraie course va pouvoir commencer. Et c'est Tabaki qui remporte la course. Tu peux abandonner maintenant si tu veux. Tu vois bien que c'est moi le meilleur. Oh, tu peux toujours courir, Tabaki. Je vais pas abandonner parce que j'ai perdu la course. Il reste encore une épreuve. Oui, encore une épreuve. Celle du saut. Tu vois ce tronc d'arbre là? Tu dois sauter par-dessus sans le toucher. Je peux y aller le premier si tu veux. Comme ça, tu auras le temps de reprendre ton souffle, petit. Prêt, Tabaki? Saut réussi. Mais tu as touché le tronc d'arbre. C'est ton tour. Tu vas voir, c'est du gâteau. Même toi, tu dois pouvoir y arriver. Et si je passe sans toucher le tronc d'arbre? Comment on va faire pour désigner le vainqueur? On choisira ensemble une troisième épreuve. Alors d'accord. Tu es prêt, Mowgli? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'il y avait un grand trou? Parce que si je te l'avais dit, tu l'aurais évité. Quoi? Tu veux dire que tout ça, c'était un piège? Toutes mes félicitations, petite dame. Tu commences à comprendre ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu veux me faire? T'apporter sur un plateau à Shere Khan et obtenir la plus grosse récompense possible, bien entendu. Je lui ai dit de venir ici quand il aura terminé sa sieste au coucher du soleil. Il va falloir que tu patientes un petit peu. Oh non, je suis trop bête. Balou avait raison, c'était un piège. J'aurais dû me méfier de Tabaki et je le connais. Oh, Mowgli, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Il faut que tu m'aides, Darzi. Tabaki m'a tendu ce piège. Et il faut que tu ailles tout de suite prévenir Balou pour qu'il vienne me sortir d'ici. D'accord, ne bouge pas. Je vais le chercher. Mowgli devrait déjà être de retour. Ils ne sont pas allés si loin que ça. Viens vite, Balou, on a besoin de toi. Rien de grave, j'espère. Oh si, c'est vraiment terrible. Tabaki a triché et la compétition est terminée. Eh bien, il n'y a pas eu de troisième épreuve. Je crois que j'ai oublié la suite. Oh, comment? Mais c'est pas vrai! Allons-y! Attends-moi, Balou! Oui. Je suis sûre que ça va bientôt me revenir. Oui, je vais!
Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Oh. Hein? Hein? Oh. Hé, hey, ça ne coûte rien d'essayer, hein? J'ai oublié que je cours beaucoup plus vite que toi. Il faut nager pour la troisième épreuve, c'est ça? Jakala! Mowgli! Où es-tu? Réponds-moi! Mowgli! Oh, Balou, c'est le tronc d'arbre. Mowgli est parti par là, j'en suis sûre. D'accord, allons-y en vitesse. Darzi, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Non, le piège. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Trouve Mowgli et ramène-le ici le plus vite possible. Hein. Darzi, c'est compris? Compris. Alors, Tabaki, tu penses toujours que je suis un petit homme sans défense et que je suis la créature la plus lente de toute la jungle? Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Non. T'es peut-être rapide, mais tu n'es pas un très bon nageur. Oui, tu n'as pas tort. Alors, on l'a fait cette troisième épreuve? Une prochaine fois, peut-être. Quand tu voudras, Tabaki. En attendant, tu peux aller dire à tout le monde que le petit homme t'a sauvé. Dis-leur que je suis rapide et que je suis très débrouillard. Mowgli, viens vite. Oh. Balou a besoin de toi. Il est tombé dans un piège. Un piège? Où ça? C'est une bonne question. Oh là là, le piège vers le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai entendu quelqu'un. Oh, hé, je suis en bas. Bah alors, qu'est-ce que tu fabriques au fond de ce trou, Balou? Est-ce que tu cherches du miel? Ça n'est pas drôle du tout, Mowgli. Sors-moi vite d'ici, s'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques, Mowgli? Je suis tes conseils, je pense stratégique. Darzi, est-ce que tu veux jouer au loup avec moi? Je vais encore gagner, mais si ça te fait plaisir, alors d'accord. Ça y est, j'ai gagné. Toutes mes félicitations, Mowgli. Tu as prouvé que tu étais un champion. Oui, le champion de la jungle. Laisse-moi sortir. Oh non, mais c'est pas juste. Ce misérable chacal va m'entendre. Je vais lui apprendre à disparaître comme ça. On y est presque. Le petit homme est passé par ici et je dois pouvoir le rattraper facilement.